beaucoup de joie parce qu'on a fait quand même un gros match contre une très très belle équipe de Nice. On avait vraiment envie, on avait à cœur de montrer que chez nous on était capable de faire des gros matchs. On l'avait fait, mais dans la teneur du résultat, ça avait été un peu compliqué. Alors que là aujourd'hui, même si on n'a pas mis encore ce second but, mais on a su tenir jusqu'à la fin. Et les remplaçants nous ont amené beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que l'équipe avait été, notamment pendant 25 minutes, même moi, ça m'a un petit peu surpris, mais on a mis énormément d'intensité et c'était très plaisant pour nous. Par rapport peut-être aux autres matchs où justement on avait manqué un peu de lucidité devant le but, là il y avait les gestes qui étaient faits comme il fallait. Après on est tombé sur un bon gardien aussi ou sur des bons défenseurs, mais c'était appliqué, c'était lucide et j'espère que ça va continuer. On n'est pas à l'objectif qu'on voulait, bien sûr, notamment au niveau points, mais on va continuer à avancer. Je pense qu'eux, dans leur calendrier, prendre des points ici, je pense que c'était important pour eux. On savait que nous, on avait très très bien travaillé. Même le match de Nantes, j'avais trouvé qu'on avait fait un bon match et qu'on n'avait pas été récompensé de nos efforts. Et là, ce soir, on a montré qu'on avait fait un très bon match, tout un groupe. Et ça, c'est important. Donc maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à travailler beaucoup d'humilité. Puis après, on verra ce qui se passera. On a un derby à préparer maintenant.